Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas WeDo, je vais vous faire un petit topo rapide. WeDo, c'est une plateforme de projet pour tous les jeunes qui ont entre 13 et 30 ans. En gros, vous avez une idée de projet quelle qu'elle soit. Ça peut être monter sa boîte, monter une asso, organiser une collecte de déchets sur les plages, peu importe en fait, que ce soit un projet individuel ou un projet collectif. Vous venez sur la plateforme et puis vous avez plusieurs éléments pour vous aider à être guidé pour trouver facilement des ressources les plus adaptées pour vous faire avancer dans votre projet. Donc, ça se traduit par un accompagnement, de la méthodo et de la mise en lien avec nos différents partenaires, comme assopreneurs, comme des collectivités, des entreprises, des institutions qui travaillent avec nous et qui ont envie de vous voir réussir. Donc, en fonction de votre thématique, de votre âge, de votre lieu de résidence, on va essayer de vous faire matcher avec ces différents acteurs. Et si on n'a pas d'acteurs, eh ben, on va vous donner des clés, en tout cas, pour vous aider à avancer. Voilà un petit peu, je vais vous montrer rapidement une petite vidéo qui résume ce que je viens de vous dire. Hop. Alors attendez, j'ai juste annulé. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Est-ce que vous connaissez WeDo? Dans le chat, si vous voulez bien nous dire oui, non. Je vois qu'il y a des noms qui se disent. Ok, vous ne connaissez pas forcément WeDo déjà. Ok, non, oui, non, oui. Non, on va plus faire un sondage. Ouais. Non, j'en trouve que c'est un peu 50-50. Et m'ont rejoint Olivia et Julia. Bonjour les filles. Bonjour. J'aime bien. Julia, vous souhaitiez nous présenter une plateforme intelligente et utile. J'ai envie de rajouter, comme vous. Non, merci, j'ai non, bien fait. Non, c'est cadeau. Alors, je vous présente WeDo. Alors, WeDo avec beaucoup de W et beaucoup de O, comme vous le voyez sur ma page. C'est la première plateforme collaborative dédiée à la réussite des jeunes. Alors, les jeunes de 13 à 30 ans, la plateforme, elle est labellisée. Elle est lauréate d'un projet d'investissement d'avenir, donc multi-récompensé. Le concept, hein, en quelques clics, regardez, les jeunes vont pouvoir obtenir de la visibilité, des soutiens pour leur projet. Alors, comme évidemment, il y a des contacts, mais il y a aussi des conseils, des encouragements, du matériel, des financements grâce à une grande communauté qui va être composée d'acteurs publics, d'acteurs privés. Et c'est un super plan parce que ça va les encourager dans leur projet. J'essaye de vous mettre en route ma vidéo. J'en profite, j'ai un peu de temps. Ça va venir. Ça marche. Voilà, bah oui, mais c'est la technologie. Hein. Bah oui. Le concept, donc, il faut savoir que c'est une vraie opportunité digitale pour avancer ensemble, pour donner une chance à chacun de réussir. 9 jeunes sur 10 aujourd'hui ont des projets, mais ne savent pas comment s'y prendre. C'est bien simplement sûr. Une façon oui. de les aider, de porter leurs idées, de ça, les hein. amener vers des gens, vers des contacts, et donc de mettre toutes les ressources sur une seule plateforme. Voilà. Très bien, merci. Évidemment, toutes les informations sont évidemment. Sur notre site, comme oui. toujours. Hop, voilà ce que je voulais vous partager. On a une nouvelle personne qui arrive. Donc voilà, c'est super simple en fait, et c'est entièrement gratuit pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de lancer des projets, faire des cagnottes en ligne ou autre, on prend pas de commission, tout est réellement gratuit, ça existe, des choses sans contrepartie, donc voilà. n'hésitez pas, il y a pas d'entourloupe. Voilà pour c'est la un beau reportage, Émilie, hein. Oui, mais on était contents d'être passés à Télématin, effectivement, notre petite fierté. Donc voilà, n'hésitez pas à déposer vos projets pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour qu'on puisse vous accompagner et vous mettre en lien avec différents acteurs. Donc, moi, dans le cadre en fait de l'accompagnement de projets, on a plus de 40 000 jeunes sur la plateforme, et on se rend compte qu'on en a de plus en plus qui pensent à rejoindre le modèle associatif ou qui ont déjà rejoint le modèle associatif. Donc, on avait des vraies questions sur l'asso, comment en vivre, etc. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontré avec Claire et qu'on s'est dit « Waouh, il y avait peut-être des trucs à faire, des synergies ». Donc voilà, on a décidé de monter ce petit atelier, ce petit webinar, et pour vous donner des clés, des ressources sur la façon de monter vos projets en association. Alors, Leslie, cousin, désolé, effectivement, c'est jusqu'à 30 ans. Il a fallu donner une date de fin à la jeunesse. Et,
Et c'était 13-30 ans. Mais s'il y a une autre personne dans ton équipe ou dans ton projet qui a moins de 30 ans, elle peut le déposer sur la plateforme. Bon, ben voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et de toute façon, on vous enverra nos contacts également avec Claire pour que vous ayez toutes les infos. Et Claire, je te laisse la parole. Merci Émilie. Alors, encore bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de venir échanger. Je suis ravie de vous rencontrer. Encore merci à Émilie. Et puis, on est ravie de travailler avec Widou. Alors, on est ensemble jusqu'à 18h30. Donc, ça veut dire qu'il nous reste 45 minutes. Donc, je vais demander qui veut bien être maîtresse du temps, maître ou maîtresse du temps. Est-ce que c'est toi, Émilie, qui… Oui, je fais le gendarme. Okay. Donc, toutes les 15 minutes, je veux bien que tu me redises fait 15 minutes. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer d'être assez concise et synthétique pour le sujet dont on voulait parler aujourd'hui, qui était en partie une, quel est le paysage associatif français, quel est le panorama du paysage associatif français, et ensuite en partie 2, une plongée dans l'assopreneuriat. C'est quoi être assopreneur? Comment on devient assopreneur? Donc, selon le temps que l'on va avoir, selon vos questions, vos intérêts aussi, je ne sais pas si on arrivera à traiter tout dans le détail parce que c'est impossible, parce que c'est trop court. Donc, si jamais on n'a pas réussi à tout traiter et que ça vous intéresse, pas hésiter à inonder de mails Émilie. Comme ça, on refait un échange, on reprend là où on était ou on va un petit peu plus loin. Voilà. Donc, avant de commencer aussi, je voulais vous proposer quelques règles pour notre échange. Si vous voulez bien, pour que ça se passe bien pour tout le monde. Alors, je vous propose de rester dans la bienveillance, dans la gentillesse. C'est une valeur chez Assopreneur, nous, la gentillesse. D'être dans l'écoute, le partage, l'entraide, de l'ouverture d'esprit, pas de jugement, de la diplomatie quand vous répondez, vous réagissez, vous intervenez. Est-ce que ça vous va, ces règles-là? Vous pouvez me dire dans le chat ou par… Oui, Alexis dit OK, Joadeline aussi, Laure aussi, je vois des cœurs, des pouces levés, super, OK. Génial, ben, merci beaucoup. Et Sylvain aussi dans le chat a dit OK. Merci à vous. Donc alors, on y va. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je te laisse aussi, Émilie, me dire si c'est bien. Okay. Ouais, c'est bon, nickel. OK, super. Je voulais vous demander aujourd'hui quels étaient vos objectifs ou vos envies. Qu'est-ce que vous auriez eu envie de voir? Est-ce que vous venez avec une question en particulier? À quoi vous vous attendez pour que je sache bien de quoi vous voulez que je parle et que je n'oublie pas un sujet en particulier? Si vous voulez bien le mettre dans le chat, par exemple, ou prendre la parole. Pourquoi êtes-vous là? Enfin, pour qu'est-ce que vous voulez là? De quoi vous avez envie de… Avec quoi vous avez envie de repartir? Alors, comment en vivre? À partir de quand? OK. Nous dit Leslie dans le chat. Christophe nous dit comment être rémunéré et garder le contrôle de son association. Alexis, système de financement et de salaire. Daisy, les spécificités de l'association par rapport à l'entreprise. Et oui, comment en vivre? Génial. Céline, découverte. Et on a envie comment d'une asso, carrément. Claire-Marie nous dit « Je veux bien recueillir plein d'infos quant au financement, mais sans projet concret en tête. » Adeline nous dit « Des pistes pour écrire un business plan avec un statut associatif. » Laure, nous venons de monter une association, nous avons beaucoup à apprendre et je me demande comment en vivre, carrément. Et Baki, comment gagner des appels à projets. Génial. Et Corentin nous dit « Avoir de nouveaux tips ou infos. » Super. Bon, bah, a priori, vous êtes au bon endroit. Hein. Ouais, c'est bon. OK, donc, c'est super. Ah, on a Sarah aussi. Financement et subvention, une modalité différente sur les activités. Benoît, un projet d'asso. OK, génial. Et Julia, droit et devoir d'une asso. OK, donc, ça veut dire que il faut vraiment qu'on… Je vais répondre en priorité à tout ça. D'accord, super. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire 15 minutes max sur la partie 1 qui était le panorama associatif français et de garder bien une bonne demi-heure sur l'assopreneuriat, comment on fait, comment on en vit, etc., pour répondre à bien à toutes vos questions. Et à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me focaliser sur vos questions-là que faire que dérouler le fil que je pensais avoir en tête. Comme ça, au moins, vous repartez avec votre réponse. Donc, si des questions vous viennent en tête, je vous invite à les mettre dans le chat parce que je vais répondre en priorité aux questions du chat. Si Julia nous dit « droit et devoir d'une asso » et Céline nous dit « mon projet est autour du coaching solidaire pour accompagnement gratuit ». Génial. Super, merci beaucoup. Bon, bah, génial. Alors, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Claire, je suis la cofondatrice d'Assopreneur. Assopreneur, c'est une association loi 1901 d'intérêt général. On est deux personnes à l'avoir cofondée. Et notre cause, bah, ce sont toutes les personnes qui veulent ou qui ont déjà entrepris en association. Donc,
certainement vous. Et voilà. Et donc, nous, en fait, notre objectif, c'est d'aider toutes les personnes, tous les entrepreneurs en association à changer le monde par la force du non lucratif tout en, et surtout à ne pas exploser en plein vol. Voilà. Donc, alors, je ne partage plus mon écran, je crois, là. Hein. Non, ça ne partage plus. OK. Alors, je vais faire juste un seul icebreaking parce que finalement, on a quand même bien échangé déjà en amont. Et comme le temps passe, je vous propose juste un seul icebreaking parce que j'adore ça et c'est toujours intéressant par la suite si vous vous lancez dans vos associations et par rapport à toutes les questions que vous avez, je vois que c'est un projet. Les icebreakings, je vous le conseille toujours en début de réunion, quel que soit l'atelier que vous voulez lancer parce que c'est de l'échauffement à la prise de parole, comme avant de faire du sport. C'est tout autant important de s'échauffer à interagir dans le chat ou à la... Alors, on l'a beaucoup fait ensemble là, depuis le début donc, et je vous remercie pour votre réactivité. Mais là, je vous propose, par exemple, cet icebreaking-là, dont je vous invite à répondre dans le chat, il faut que ça très vite sans réfléchir. Si vous pouviez choisir un super pouvoir, vous prendriez lequel? Me téléporter, dit Julia. Corentin, ralentir le temps. Claire Marine, la téléportation. Sylvain aussi, téléportation. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Elsa idem, ah, ça fait du. La téléportation, ça plaît beaucoup. Gabriel, invisibilité. Céline, Lightbringer, celle qui éclaire. Benoît, rester jeune. Sarah, tout apprendre en 2 secondes. Waouh. Daisy, voler. Baki, sauver le monde. Adine aussi, vole. Claire, Marine, on peut monter une équipe de téléportation, c'est clair. Génial. Bon, bah, super, merci pour votre participation. Allez, comme vous avez super, super bien répondu, je vous propose de faire un deuxième et après on arrête. Oups. J'aime trop ça, moi, les adblockings. Allez, deuxième question. Si vous deviez n'emmener qu'un seul objet sur une île déserte, une brosse à dents. Sur Gabriel. Daisy, l'homme de ma vie. Ah, on a dit un objet, Daisy. On n'a pas dit une personne. Corentin, le ukulélé. Ukulélé, je l'ai mal prononcé. Laure, un appareil photo. Baki, computer et wifi. Claire Marine, la gourde à filtre. Ah ouais. Elsa, un énorme livre. Alexis, un instrument de musique. Sylvain, mon PC pour bosser, j'imagine, parce que vu qu'il y a l'emoji qui pleure. Leslie, les lunettes de soleil. Adeline, un carnet, un stylo. Julia, le carnet stylo aussi. Ah, il y a une équipe carnet stylo aussi là. Génial. Bon, ben, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Alors, je voulais vous montrer ces premiers chiffres, 200 000 et 1 500 000. Je voulais vous demander, on commence facile, facile. Il y a un chiffre qui concerne le nombre d'entreprises sociales, les startups sociales, les sociétés sociales. Et il y a un chiffre qui concerne le nombre d'associations actives en France. À votre avis, lequel correspond à quoi? Vous pouvez prendre la parole, hein, vous le mettre dans le chat, c'est comme vous voulez. 1 500. 1 500 000, c'est quoi pour vous? 1 500 000, oui. Donc 1 500 000, c'est le nombre d'associations ou le nombre de start-up sociales? Associations. Oui, c'est ça, exactement, bravo. Donc 1 500 000, c'est le nombre d'associations actives en France et 200 000, c'est le nombre d'entreprises sociales qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, de l'ESS. Voilà. Et donc, ça, vous voyez toujours mon écran, hein, c'est ce qui nous permet d'affirmer que l'assopreneuriat, c'est la première forme d'entrepreneuriat social et qu'on n'en parle pas assez, que ce n'est pas suffisamment reconnu. Donc voilà, un grand waouh si jamais vous vous lancez là-dedans ou que vous êtes déjà impliqué dans un entrepreneuriat en association. Voilà, c'est la forme la plus historique et la plus nombreuse, en fait. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, assopreneur, nous, on accompagne, c'est un peu petit, mais on accompagne en gros les personnes qui entreprennent en assaut et les DG de métier pour vous aider à changer le monde. Alors, il y a un élément à savoir quand on entreprend en association, c'est qu'il y a 3 grands éléments qui sont absolument nécessaires pour piloter une assaut. C'est du temps, de l'énergie, ça on le sait déjà, mais ce sont des techniques. Et ça, on ne le dit pas assez. Parce qu'on peut créer une association très facilement en ligne maintenant et c'est gratuit. On pense que ça va être facile, mais non, mais pas du tout. C'est extrêmement dur. Et si vous êtes déjà impliqué dans des assos en tant que bénévole, même sans lancer la vôtre, vous savez à quel point c'est compliqué. Donc ça, c'est très important de vous dire que quand on se lance dans l'assopreneuriat, ce n'est pas plus facile que l'entrepreneuriat classique.
Je ne dis pas que c'est plus difficile, je ne mets aucun jugement de valeur entre les deux. Ça va seulement être très, ça va seulement être très difficile. Voilà. Alors, je passe sur un petit slide là. Je vais vous le montrer plus gros, je vais le grossir. Allez, encore des questions pour le paysage associatif français. On a dit qu'on s'arrête dans 5 minutes, alors je vais au pas de course. Là, je vous ai mis plein de chiffres. Ne regardez pas les dates. Il y a 1971, tout ça, je les ai mis ailleurs, il faut que je les enlève. Mais regardez les autres chiffres. Je vous propose de choisir un des chiffres qui vous interpelle. Et dans la slide d'après, il y a les intitulés sans les chiffres. Et je vais vous demander de voir si vous retrouvez correctement votre propre chiffre. Est-ce que vous avez choisi votre chiffre? C'est bon? Je vous vois quelques personnes disent OK, oui, c'est bon. OK, vous avez choisi votre chiffre, retenez-le bien. Paf, je passe à la slide suivante. À votre avis, où se trouve votre énoncé pour votre chiffre? Voilà, choisissez un énoncé. Tu peux jouer aussi, Émilie. Oui, j'essaye. Hein, mais... Donc, choisissez un énoncé pour votre chiffre. Et dans la slide d'après, bien sûr, il y a la réponse au même endroit. Attention, est-ce que vous avez choisi un énoncé pour votre chiffre? Pardon d'aller un peu vite. Hein. Tu te fais la porteuse du chat, Émilie? Ouais. Ah, il y a des réponses déjà. Bravo. Ah ouais, super. Bah, du coup, je ne peux pas vous aider encore, moi, sur les réponses. Je ne les connais pas sur les chiffres. Donc. Alors, est-ce que vous avez choisi? Je passe aux réponses. Hop, et voilà. Alors, je ne sais pas quel chiffre vous avez choisi, mais aviez-vous vu juste? Oh là là, c'est dur à dire. Oh mon Dieu. Est-ce que vous étiez bien tombé ou pas? Yes, bravo! A priori, oui. Oh, trop fort! Excellent! Alors, si vous aviez choisi 113 milliards, c'est trop facile, hein, franchement. Parce que là, les budgets cumulés, on se doute que c'est du... Hein, ça, c'est trop facile. Donc voilà, alors je voudrais juste mettre l'accent sur quelques chiffres en particulier. Je ne vais pas vous inonder de chiffres. Vous aurez le lien de la présentation par Émilie après. De toute façon, c'est en ligne, vous l'aurez. Donc, simplement, je voudrais mettre l'accent sur... tout à l'heure, on a dit 1 500 000. On l'a déjà vu, celui-là. L'association active. Ce que j'aimerais bien que vous puissiez retenir, c'est, regardez, de 1 500 000, on passe à 160 000 seulement associations employeuses. Donc, à peu près 10% pour retenir le chiffre. C'est rien. Ça veut dire qu'il y a seulement 10% des assos qui recrutent des salariés et donc qui bénéficient du soutien d'une personne qui est payée, qui a sa charge mentale à 100% pour développer l'association. Et pour moi, cette personne-là qui va mettre toute sa charge mentale et son temps de travail pour développer l'asso, pour moi, c'est le pilier numéro un pour pérenniser une structure. Dès qu'on a un salarié même à mi-temps, et souvent c'est un poste de délégué général qu'il faut créer, hein, le premier poste dans une association doit être un poste de délégué général, c'est-à-dire directeur ou directrice d'association. Et quand vous êtes fondateur de votre asso, et là je vais répondre à une des questions que vous avez posées, quand vous êtes fondateur ou fondatrice de votre asso, pour que vous puissiez en vivre, il va falloir devenir délégué général salarié, donc fondateur salarié de votre asso. Voilà, ça va être la seule possibilité pour en vivre aujourd'hui. Oui. Il y avait une petite question aussi concernant les chiffres. Quelle est la différence entre les 70 000 et les 30 000? Ah, volontiers. Super, merci. Alors, là, on est sur cette ligne-là pour tout le monde. Oui. Donc, on est sur la ligne où il y a 40 000 associations qui disparaissent chaque année, ça veut dire qu'ils meurent, qui sont clôturées volontairement, mais plus souvent plutôt involontairement. Hein. Et j'en ai vu dans ma carrière plein. Ça fait 15 ans que je suis déléguée générale donc de métier d'association, que je dirige les associations. Et j'en ai vu plein autour de moi qui mouraient et ce n'était pas du tout voulu. Et donc, la différence ensuite, c'est qu'en fait, il y a donc 40 000 qui disparaissent chaque année. Mais il y en a 30 000 qui sont créées chaque année, des nouvelles. Non, pardon. Je me suis trompée là. Non, il y en a 70 000, pardon, excusez-moi. Nouvelles qui sont créées chaque année, par exemple celles que vous allez peut-être vous-même créer si vous assoprenez. Et donc la différence, en fait, les fameux 30 000, bah, c'est le solde entre celles qui meurent et celles qui naissent. Voilà, ça nous fait un joli solde finalement de 30 000 associations vraiment en plus dans les statistiques. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Daisy? Ok, super. Merci pour votre question. N'hésitez pas comme ça à m'interpeller ou à réagir sur des données. Hein. Voilà, donc ça c'était le chiffre sur lequel je voulais vous parler. Et puis,
Bon, voilà, je pense qu'on peut, on peut passer si c'est OK. Parfait, tu es déjà à un quart d'heure, nous sommes. Il est presque 18h. Oh là là, ça pique, ça pique. Alors, rapidou, rapidou, tout le monde connaît la loi 1901. Normalement, parce que c'est la, on dit toujours association la 1901. Et en fait, 1901, à quoi que ça correspond? Ben, je vous propose de retrouver quelques dates là sur ce slide-là. 1901, ça correspond au moment où la liberté d'association a été instaurée dans la loi. Et si vous remontez avant, en fait, quand est-ce que c'est arrivé tout ça? C'est très très ancien la liberté d'association. Et ben, ça a été proclamé par la Constituante en 1790. Et regardez le temps qu'il a fallu pour que ça arrive vraiment dans la loi. Ben, moi, je trouve ça intéressant. Et ensuite, si on continue, hop, de 1901, il a fallu attendre 70 ans pour que de la loi, on passe à une liberté constitutionnelle. Voilà, donc voilà le parcours très résumé. Je ne vous ai pas mis tous les 1000 décrets qu'il y a eu entre les deux. Mais voilà le parcours résumé de la liberté d'association en France. Et je vous ai mis une petite date ici, 2010. Parce que 2010, c'est le moment où a été instauré le service civique par la loi. Et franchement, le service civique, c'est génial. Donc, quand vous êtes assopreneur, accueillez autant de services civiques que vous le pouvez. C'est un contrat d'engagement citoyen. Les jeunes de moins de 26 ans ou 30 ans, selon s'ils ont un handicap, ont le droit de faire un contrat de service civique, un seul dans leur vie, et uniquement auprès des associations et collectivités territoriales. Et aujourd'hui aussi auprès des entreprises agréées ESUS. Je ne vais pas trop dans le détail, je n'ai pas le temps. Mais si vous avez des questions, envoyez-moi les questions par mail ou par LinkedIn ou autre. Donc, je voulais vous attirer sur le service civique qui est génial. Voilà, dernier point et après, on va réussir à tenir le timing pour aller sur la deuxième partie. Mais là, les segments associatifs nouveaux. Allez, je vous fais aussi des bossés là. Là, ce sont les différents segments associatifs selon une étude de 2018. Il y a très peu d'études et statistiques sur le monde associatif, c'est une catastrophe, alors que sur le monde de l'entreprise classique, il y a beaucoup plus de données. Donc, c'est rare de trouver des données officielles. Donc là, il y en a une avec celle-ci, c'est celle qui est utilisée par le mouvement associatif, qui est une asso qui, en gros, nous représente toutes et tous au niveau des ministères. Voilà, c'est l'asso qui représente le monde associatif. Voilà. Et donc, cette asso-là publie ces chiffres-là, donc je les reprends, je suis le mouvement. Donc, je vous propose de prendre un des segments, d'en choisir un, et de vous attribuer un numéro. Pareil, de choisir le pourcentage et voir après si vous aviez bien estimé ou pas. Tu choisis quoi, toi, Émilie? Ben, je sais pas trop. Je me dirais que le plus gros, 24, c'est l'humanitaire, social, santé. Mais okay. Peut-être que je me plante complètement, je sais pas. Ah ben, on va voir. Est-ce que vous avez choisi aussi un segment et attaché un pourcentage? C'est bon? Je vois qu'Adeline dit OK. Ah, sport aussi, c'est pas con, ça. 24, il y a beaucoup de. Je vois que Claire-Marine, Corentin ont complété. Benoît aussi, sur merci de vous lancer. Merci beaucoup de jouer le jeu. Allez, hop, on y va, on avance. Comme je suis un peu. Désolée, je vous pousse un peu. Là, c'est en mode TGV. Mais alors voilà, paf, voilà les réponses. Alors, Émilie, malheureusement, ça n'était pas ça. Dans les choux. Dans les choux, comme tu dis. Voilà. Donc, en fait, ce que l'on voit, c'est que. Donc déjà, est-ce que ce que vous aviez imaginé, c'était bon? Bah moi, non, du coup. Toi, non, à part toi. Vous pouvez nous dire dans le chat si c'était bon ou pas. Je vois que vous le faites. Pas du tout, dit Christophe. Ah, on avait... Bravo, Benoît, ouais. Corentin aussi, c'était pas trompé, apparemment. Bravo. Donc, en fait, ce qui est intéressant, là, dans ces segments, et ne me demandez malheureusement pas tous les détails, parce que dans l'enquête, je ne les ai pas, donc je ne peux pas aller trop vous dire exactement ce qu'ils ont mis dedans, malheureusement, c'est qu'on voit que sport, culture, loisirs, qui fait partie de notre vie de tous les jours finalement, bah, ça représente la très écrasante majorité, presque 70% en fait, des associations. Et on voit que l'humanitaire, le social, la défense des causes, l'éducation et le développement local, bah, c'est le reste, et il n'y a pas grand-chose, il y a 30%. Donc c'est assez intéressant de voir cette différence-là. Voilà. Il n'y a pas grand-chose, c'est déjà bien, hein, je mets aucun jugement de mon côté. Hein, mais voilà comment on peut répartir un peu. Je crois que j'ai fini sur le monde associatif. Ouais, paf. Donc, je voulais vous demander, ah, il y a une question de Leslie. L'environnement ou le développement durable se situe? Oui, alors attendez. Hop, hop, hop. Alors, l'environnement, c'est dans la défense des droits et des causes. Donc, c'est-à-dire pas grand-chose. C'était 12%.
Voilà. Donc là, on vient de finir la première partie. Alors, idem, là, je pourrais vous parler pendant 2 heures sur cette partie. Hein. Donc, je l'ai fait très court. J'aurais pu vous donner plein d'autres chiffres. On aurait pu aller dans le détail, mais bon, voilà. Là, on l'a fait un petit peu en mode TGV. Je voulais juste vous demander, qu'est-ce que vous retenez de cette première partie? Quel est le chiffre ou la donnée? Qu'est-ce que vous retenez de cette première partie sur le paysage associatif français? Un mot ou quelque chose dans le chat, je veux bien. Merci beaucoup. Leslie retient 10%. Gabriel, le faible nombre de salariés. Corentin, que je ne suis pas du tout seule. que je ne suis pas tout seul, pardon. Alexis, 30 000 assos de plus par an, ça donne de l'espoir. Carrément. Est-ce que d'autres personnes veulent nous dire ce que vous retenez? Alors, l'éducation, que 3%. Ouais. Sarah, création et arrêt des assos. Je vous laisse encore, si vous êtes en train peut-être de taper, c'est votre réponse. Je te les dirai sinon. Ok. Bon, mais en tout cas, merci pour vos retours. C'est très intéressant. Alors, à ce stade-là, avant d'aller plus sur l'assopreneuriat, est-ce que vous avez une question? Céline retient les 113 milliards quand même. Ouais, quand même, ouais. Est-ce que vous avez une question pour l'instant, avant que je passe à l'assopreneuriat? Oui, j'ai une petite question. Oui. Oui, bonjour. Du coup, moi, pour me présenter vite fait, du coup, je suis l'araignée et en fait, je suis présidente de Holiday Geek Club. Holiday Geek Club, c'est une junior association. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Et je voulais savoir si les chiffres que vous avez dit, est-ce que les junior associations sont considérées comme une association dans ces chiffres cités? Alors, junior association, est-ce que… Alors, je ne connais pas. Hein. Est-ce que c'est un statut juridique particulier ou vous avez un statut juridique d'association? Alors non, on n'a pas de statut juridique d'association. Par contre, on a… En fait, c'est géré par le Réseau national des junior associations qui, elle, est une association de 1901. Et en gros, c'est comme si on était une filière un peu d'une asso. Du coup, on a un numéro d'habilitation qui nous permet de pouvoir créer son asso, gérer, avoir un compte bancaire, etc. Mais d'avoir… plein de choses juste en moins, c'est-à-dire tout ce qui est déclaration de préfecture, tout ce qui est galère, etc. Et donc, ouais, je me suis dit, est-ce que c'est dedans, dans tous ces chiffres? Est-ce qu'on est considéré ou pas comme une asso? Alors non, vous n'êtes pas dans ces chiffres. Ok. Donc, je suis sur votre réseau, le Réseau national des juniors associations. Je ne connaissais pas, merci beaucoup. Hein. C'est impossible de tout savoir, donc merci pour cette info. J'irai voir. Et non, vous n'êtes pas dans ces données parce que ces données sont liées en fait à la déclaration officielle, au journal officiel. D'accord. Et à l'attribution du RNA, qui est le Registre national des associations. Donc, vous, dans votre système, vous n'êtes pas directement une association. Donc, non, vous n'êtes pas dedans. D'accord, ok. Donc, il y en a 12 000 à ne pas compter, du coup. Il y en a 12 000 junior associations aujourd'hui en France. Ok, wow. Un ordre d'idée. Très intéressant. Merci, voilà. J'irai voir. Merci beaucoup. De rien. Hop. Ok, alors, donc, je continue. Donc là, on va aller dans l'assopreneuriat. Alors. Ah, Leslie s'en va. Merci Leslie. À bientôt. Donc, l'assopreneuriat, c'est. merci Leslie. L'assopreneuriat, donc, c'est la contraction de deux mots. C'est trop facile. C'est juste pour voir si vous êtes bien encore avec moi, en fait. À votre avis, c'est quoi comme contraction, assopreneuriat? Allez, mettez-le moi en chat. Qui va oser me le mettre? On est là. Trop facile, bah oui, mais il faut les mettre quand même. Daisy dit association, oui, et oui, entrepreneuriat, vous l'avez. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est exactement, merci, c'est exactement ça. Merci Corentin. Voilà. Donc c'est ça. Et donc, c'est en fait une forme d'entrepreneuriat. Merci, oui, je ne suis pas seule. C'est exactement une forme d'entrepreneuriat qui, je trouve, n'était pas suffisamment reconnue. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu fédérer, réunir, soutenir, renforcer toutes les personnes qui sont là-dedans et montrer qu'il est possible d'en vivre. Et c'est ça qui est important, en fait, parce que ce qu'on se rend compte dans l'assopreneuriat, c'est que généralement, on est face à une personne qui a rencontré une souffrance, vécu une souffrance ou vu une souffrance chez elle ou dans son cercle proche ou lors d'un voyage, par exemple, et que cette personne se dit « je vais faire quelque chose ». Donc, ça ne commence pas toujours par le fait de dire « je vais faire quelque chose et je vais en vivre ». Ce n'est pas toujours ça. J'espère que demain, ça sera le cas, à force d'en parler, etc. Et jusqu'à présent, après, on crée une association, ça monte, mais en parallèle, on a son job et à un moment, on se retrouve complètement écartelé, écrabouillé et burn-out associatif ou à burn-out. Et donc, ce que l'on explique, nous, c'est que oui,
Quand on est dans l'entrepreneuriat comme ça, oui, il est possible d'en vivre. Et donc, il est possible de quitter son job, de transitionner vers l'association et d'avoir un salaire. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut se consacrer à 100% à son asso, de pouvoir quitter son job ou ses 3-4 jobs? C'est justement d'avoir ce salaire pour être sécurisé. Et donc, nous, dans l'entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait? On vous aide à pérenniser, enfin, on aide les personnes à pérenniser la structure, la personne morale, l'association, par une méthode et tout un tas de plein de choses. Et on aide à sécuriser la personne, l'assopreneur ou l'assopreneuse dedans. Parce que vous êtes et vous serez le premier maillon, en fait, des piliers. Et après ça, est-ce qu'on perd notre droit au CA? Voilà, exactement, Sarah. Donc, en fait, quand vous êtes assopreneur fondateur, vous avez, par exemple, je vous conseille d'être toujours être président ou présidente quand vous êtes assopreneuse fondateur. Et à un moment, vous développez l'association, vous avez envie de vous consacrer à 100% à ça, de plus en plus de temps. Et vous avez commencé à collecter des fonds, vous commencez à avoir des sous. Donc, ce que vous faites, au départ, il y a plusieurs étapes, en fait. On ne passe pas du jour au lendemain à quitter le CA. Dès que l'association a des sous, déjà, vous remboursez vos frais. Ça aide, hein, ça aide à vivre quand même. Ensuite, ce que vous faites, dès qu'il y a un petit peu de sous, vous pouvez, en tant que président, vous rétribuer 3/4 du SMIC. Ce n'est pas un salaire, c'est une rétribution. Hein, donc, ça vous oblige pas du tout à quitter votre job, c'est en plus. En fait, c'est une rétribution qui remercie, en fait, un président ou une présidente bénévole. Donc, vous faites ça. Et ensuite, quand vous avez un peu plus de visibilité, en fait, sur les fonds de l'asso, là, à ce moment-là, vous créez un poste salarié de délégué général fondateur. Et vous pouvez commencer à mi-temps, à un quart de temps, à un cinquième, à 2/5, et vous augmentez le temps de travail, en fait, de votre contrat de travail au sous et à la visibilité de l'asso, jusqu'à arriver à avoir votre temps plein avec un salaire qui vous correspond. Et après, vous pouvez augmenter votre salaire. Enfin, on fait quelque chose de classique. Et donc, dans cette transition-là, oui, ça va, effectivement. Quand vous devez avoir passé au contrat de travail salarié, là, oui, il faut quitter. Il faut quitter le CA, le bureau, la gouvernance. Vous ne pouvez pas, et non Elsa, vous ne pouvez pas rester présidente en même temps. Enfin, dans la loi, rien ne vous l'interdirait dans la loi, mais c'est moi qui vous le déconseille parce que être jugé parti comme ça ne marche pas. Les financeurs n'aiment pas, ça crée de la confusion, c'est très très compliqué d'être président et salarié, franchement ça ne marche pas. Donc moi je vous conseille quitter en fait, de démissionner de votre poste de présidente fondatrice, mais en revanche, ce qu'on vous enlèvera jamais, c'est d'être fondateur. Et vous passez délégué général fondatrice ou fondateur. Et donc, vous créez un contrat de travail salarié et je vous conseille de choisir le statut de cadre dirigeant. Alors, pourquoi cadre dirigeant? C'est parce que, imaginons que dans votre bureau, vous avez des amis, pourquoi pas un frère, une sœur, et peut-être même parfois un conjoint, un bureau de cœur, vous voyez. Et bien, dans ce cas-là, ou même un CA classique vraiment extérieur, avec le statut de cadre dirigeant, vous avez en fait la main totale et complète sur votre temps de travail, vos congés, etc. etc. Et franchement, c'est bien plus simple quand on est fondateur. Voilà. Il y a une question claire. Oui. De Laure qui dit « J'ai arrêté mes études pour me mettre à temps plein dans notre projet maintenant devenu une association. Nous n'avons pas encore la trésorerie pour me rémunérer. Puis-je me déclarer en tant que salarié et obtenir mes salaires lorsque nous aurons l'argent sur le compte ?» Donc, plus tard. Quelque chose de rétroactif. Et en fait, je ne sais pas comment partir de quand je peux devenir salarié. Dans notre budget prévisionnel, je suis salarié à partir de janvier 2022. Or, je ne peux pas encore me verser un salaire à la hauteur de 3/4 du SMIC pour le moment. Ok, Laure. Alors, après, moi, ce que je vous dis, c'est un retour d'expérience que je ne suis pas juriste et je ne suis pas experte comptable. Et donc, je n'ai pas le droit de vous faire du conseil juridique ni comptable. Je préfère le dire, c'est très obligatoire. Mais par retour d'expérience, là, malheureusement, vous ne pouvez pas faire un contrat de travail si vous ne pouvez pas payer le salaire. Parce que là, dans la loi, vous êtes hors la loi. c'est ce qui protège le salarié. Donc, c'est pour ça que je vous disais que tant que vous n'avez pas la visibilité sur la possibilité de payer un salaire au moins pendant 3 mois d'avance, il faut rester dans la rétribution du président parce que la rétribution 3/4 du SMIC n'est pas obligatoire chaque mois. Donc, quand on ne peut pas le faire, on ne le fait pas. Quand on peut, on le fait. Donc là, pour vous, ça me paraît difficile de faire un contrat de travail salarié là maintenant si vous n'avez pas la possibilité de payer ce contrat de travail salarié, vous voyez ? À moins d'avoir réussi à faire avec un fonds GEP ou avec un type de contrat aidé où c'est payé un peu par l'État, etc. Sinon, ça me paraît compliqué et je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux rester pour vous, présidente, rétribuée aux 3/4 du SMIC ou moins, parce que si vous me dites que vous ne pouvez pas payer les 3/4, dans ce cas, vous faites moins, c'est maximum 3/4.
D'accord. Donc, je peux, s'il y a des mois où on peut se verser un salaire, par exemple en janvier, là, on pourrait, mais il y a des risques pour qu'en février, ce soit plus compliqué de verser les trois quarts du SMIC. Je ne suis pas obligée de dire, à partir du moment où je commence à me verser un salaire à la hauteur des trois quarts du SMIC, je dois le faire tous les mois. Exactement. C'est pas c'est pour ça que c'est mieux. Et ce n'est pas un salaire, c'est une rétribution. C'est une rétribution. Ouais, ça va être soumis aux charges sociales et patronales, donc c'est un peu pénible. Mais en fait, ça ne vous donnera pas de droit au chômage et des droits à la retraite. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça tout le temps. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez protégé aussi, vous, en tant que personne. Et donc, il ne faut pas rester trop longtemps sans chômage et sans retraite. Enfin, sans cotisation, donc chômage et retraite. D'accord, c'est intéressant. D'accord, bah, merci. Après, c'est une question de visibilité. Voilà. Oui, super. Il y a une autre... J'enchaîne, du coup, il y a une autre question. Il y a quoi d'autre comme statut possible? Que le statut associatif pour entreprendre, vous voulez dire? Je ne sais pas, c'était une question de Sarah. J'imagine que c'était plutôt par rapport au... Ah oui, si, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors... moi, je suis spécialisée sur l'entrepreneuriat en association. Donc, forcément, c'est le statut associatif qui m'anime. Mais effectivement, si on parle d'économie sociale et solidaire, l'ESS, il y a différents statuts, mais vous allez être du côté de la société. Mmh. Alors, il y a une question, ça me permet de faire le lien avec une question qui avait été posée au début dans vos attentes, qui était comment choisir entre entreprise ou association. Côté entreprise, vous allez avoir plein de statuts possibles. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle l'agrément ESUS, E-S-U-S. C'est le cas pour Widou. Nous, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et ben voilà. ESUS, par exemple. Donc, l'agrément ESUS est une labellisation de l'État qui demande des critères très importants à suivre. Et si vous les suivez, vous rentrez dans l'ESS qui vous donne accès à différentes réductions d'impôts sur les charges patronales. Vous pouvez accéder aux services civiques maintenant, nouveau, et parfois à certaines subventions. Donc, vous pouvez, que ce soit en SAS ou en SARL ou un autre statut de société, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous ayez demandé l'agrément ESUS ou que vous soyez entreprise à mission, mais c'est encore une autre chose. Vous pouvez aussi, dans l'ESS, aller sur les sociétés coopératives. Toutes les sociétés coopératives font partie de l'ESS. Donc, il y a les coopératives d'activité et d'emploi, les CAE. Il y a les SCIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Bon, il y en a plein, en fait. Voilà, il y a plein de statuts possibles en société. Après, je vais juste vous donner la différence entre entreprendre en asso et entreprendre en société, même de l'ESS. C'est des questions à vous poser, en fait. C'est d'abord, est-ce que j'ai une cause à défendre? Déjà, voilà. Est-ce que j'ai une cause à défendre et des bénéficiaires que je veux aider? Vous cochez oui, non, en fait. Voilà. Et donc, ça, si vous avez une cause à défendre, bon, bah, super, vous pouvez aller côté association et bien sûr aussi entreprise. Ensuite, est-ce que j'ai envie de gagner ma vie proportionnellement aux bénéfices générés par l'activité? Est-ce que j'ai envie de m'enrichir, en fait? C'est ça aussi. Voilà. Et bien, ça, c'est ça qui est important. Est-ce que vous avez envie de vous enrichir en fonction, enfin, de gagner votre vie en fonction de l'activité générée? Parce qu'en société, vous pouvez, si vous faites, par exemple, dans une SAS, vous avez 200 000 euros de dividendes, de résultats positifs, pardon, vous pouvez verser ces 200 000 euros de résultats positifs en dividendes. Donc, hop, on s'enrichit. Et ce n'est pas du tout un jugement, hein, c'est très bien. Mais en association, l'association, elle a 200 000 euros de résultats positifs sur son année. Eh ben alors, en tant qu'assopreneur fondateur, vous n'allez pas vous enrichir. Ces 200 000 euros, vous n'en verrez pas la couleur. Vous n'avez pas le droit, en fait. Vous ne pouvez que réintroduire, enfin, l'argent, ce résultat, et l'utiliser pour des actions. Et bien sûr, pour payer les salaires. Donc, vous allez pouvoir toucher cet argent via un salaire, ça va garantir un salaire, mais vous ne pourrez pas vous enrichir personnellement. C'est très important. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est important de valoriser l'assopreneuriat. Et il n'y a aucun jugement, Émilie, hein, sur le statut d'entreprise, mais les personnes qui sont dans l'assopreneuriat ont un lâcher-prise qui est énorme. C'est-à-dire que les personnes sont OK pour qu'elles ne puissent pas s'enrichir en fonction des résultats générés. Et moi, je trouve que c'est un don qui est de soi qui est énorme. Voilà. Petite question, du coup, Claire, c'était une question de Christophe, mais qui revient du coup dans ce que tu viens d'expliquer. Quelle est donc la différence avec l'association à but lucratif? Oh, j'adore vos questions, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Donc, effectivement, quand je vous pose des questions comme ça, qui étaient oui, non, on va reprendre les questions. Et ça va répondre. Est-ce que j'ai une cause à défendre? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de m'enrichir personnellement? Oui, non. On va continuer les réponses. Est-ce que j'ai envie que la structure que je crée m'appartienne? Oui, non. Et enfin, la dernière question à vous poser, c'est est-ce que j'ai envie de décider seule? Oui, non. Ou peut-être.
Vous pouvez mettre peut-être. Il y a une troisième case qui est la case bonus, peut-être. Je ne suis pas sûre. Ben oui, non, je ne suis pas sûre. Peut-être. Et bien, en fait, quand vous répondez peut-être, cette fameuse case où c'est oui, ni non, c'est la fameuse case des associations qui sont fiscalisées. Ce dont vous parlez, Christophe, ce sont les associations fiscalisées. Ça veut dire qu'elles doivent collecter, reverser la TVA et elles doivent payer l'impôt sur les sociétés sur leurs résultats positifs. Donc, vous ne vous trompez pas, au contraire. Donc ça s'appelle les associations fiscalisées. C'est ce que j'appelle la troisième voie, en fait, quand je fais ces quatre questions oui-non. En gros, si vous avez répondu d'un côté, c'était la case association. En gros, je ne veux pas m'enrichir personnellement. J'ai une cause à défendre. Je suis OK pour que l'association que la structure ne m'appartienne pas complètement. Et je n'ai pas envie de décider seule. Ça, c'est l'association, en fait. Parce qu'une asso, elle ne vous appartiendra jamais complètement. Elle appartient à ses membres. Et donc, de toute façon, il faut être minimum deux. Et après, si vous êtes 100 membres, elle appartiendra aux 100 membres. C'est aussi un lâcher-prise, hein, ça. Et décider seul, en association, on ne décide pas seul. On décide avec un bureau, un comité de pilotage, des cofondateurs, etc., etc. Alors que côté entreprise, ça peut être complètement différent. Et la case peut-être, c'est parce que vous voulez aller dans l'entrepreneuriat, mais vous respectez pas complètement tous les critères. Ça ne vous convient pas complètement. Eh bien, vous avez une troisième voie qui est la voie de l'association fiscalisée. Vous pouvez dire... Moi, je crée une asso pour entreprendre, mais je sais d'avance que je ne vais pas respecter ce que je vous ai dit là, ce qui sont les critères d'intérêt général. J'ai envie de décider un peu tranquillement seule, je n'ai pas envie de faire rentrer des membres, je n'ai pas envie qu'on m'embête, vous voyez, c'est souvent un petit peu ça. J'ai envie de rester entre moi pour décider, j'ai envie de faire beaucoup de ventes, faire de la presta, par exemple. Dans ce cas-là, ça, c'est une association qui ne va pas être d'intérêt général. Elle va être fiscalisée. Et donc, dans ces cas-là, il faut se déclarer aux impôts, et puis c'est parti, vous êtes considéré comme une entreprise, en fait. Et alors là, du coup, le fisc ne vous embêtera jamais, vous pouvez faire ce que vous voulez. Claire, je refais le maître du temps, j'ai dépassé 5 minutes, donc voilà. Ah oui. Il y avait une autre question. Il y a risque qu'un jour, les membres de l'asso décident de se séparer de nous, ou le statut de dirigeant fondateur peut nous protéger. Est-ce que cela peut être prévu dans les statuts, ou alors on entre plus dans le cadre de l'intérêt général? Une question de Christophe. Ah, super. Alors, Christophe, effectivement, il n'y a pas de risque. Vous allez peut-être entendre autour de vous des gens qui vont dire « Attention, j'ai créé une asso, et ben moi, on m'a dégagé, il y a eu un putsch, et ci, et ça, et truc et bidule. » Oui, c'est arrivé, ça peut arriver, plein de gens m'en parlent, mais la façon dont nous, on vous accompagne et on vous invite à renforcer les fondations et la façon dont on vous invite à créer vos statuts, à les rédiger et à vous protéger les statuts, ça ne peut pas arriver. Donc oui, c'est déjà arrivé peut-être autour de vous, on vous a peut-être dit « Attention, fais pas ça, crée une entreprise parce que… » Là, attention, c'est d'autres personnes, d'autres sujets. Il y a comme je vous le disais, pour moi, ça ne peut pas arriver en fait pour un assopreneur, accompagné par un assopreneur et que vous êtes dans les bons rails et tout, avec les quatre piliers, qu'on puisse vous dégager. Parce que ce qu'on ne vous enlève jamais, c'est le statut de fondateur. Donc en fait, ce qui se passe vraiment dans l'assopreneuriat, je vais vous dire, 90% des assopreneurs sont des personnes seules qui ont vu une souffrance, vécu une souffrance, qui veulent résoudre cette souffrance et qui se lancent et finalement qui mettent un bureau de cœur, c'est-à-dire meilleur ami, conjoint, sœur, frère, voyez, dans le bureau et qui finalement se retrouvent vraiment seuls à se battre tous les jours et à porter. C'est ça la réalité de l'assopreneuriat. Et donc, quand vous devez passer, en fait, salarié, il faut mettre quelqu'un d'autre. Et donc, généralement, ça va être une deuxième sœur, un deuxième ami, enfin, voyez. Donc, ce ne sont pas des gens qui veulent surtout pas, les gens ne veulent surtout pas que vous partiez. Donc ça, on ne vous l'enlèvera jamais. Après, si vous avez mis en place un vrai conseil d'administration, et moi, c'est ce que j'aide à faire dans l'assopreneur, j'aide à transitionner du bureau de cœur au comité de pilotage réel, avec un vrai conseil d'administration, etc. Quand on a des vrais CA, ouverts avec des autres membres, etc., ben c'est pareil, ils n'ont pas envie que vous partiez parce que c'est vous qui portez, qui avez l'idée, c'est vous qui avez l'historique. Et souvent, ce sont des personnes qui sont là pour vous aider à réfléchir, en fait, le CA. Si vous le positionnez comme moi, je vous le propose, il n'y a aucun risque en fait qu'on vous mette dehors. Et à la limite, si jamais ils ont envie de vous mettre dehors, vaut mieux que vous partiez vous, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et vaut mieux que vous repartiez, que vous recréez quelque chose. Et donc oui, par rapport au statut, oui, dans l'assopreneur, on a mis en place un générateur de statut, c'est un modèle de statut, parce qu'en fait, j'arrête pas de changer les statuts, de vous aider à changer les statuts, vous prenez les mêmes modèles en ligne, et je comprends, mais j'en peux plus de changer les mêmes phrases partout, donc j'ai créé notre propre modèle. Et donc, on vous propose de mettre des phrases qui vous protègent. Voilà. Il y a une autre question d'Alexis. Je crois qu'il y avait une question avant, non La question, pardon. Oui, il y avait une question. Ah non, dans ce que tu décris en asso, il me semble que tout est possible en entreprise, c'est juste qu'on n'y est pas contraint par la loi. Oui.
Ah, d'accord, ce n'était pas une question, pardon. Non, c'était une remarque. Et après, donc là, il y a une question d'Alexis. Si on a une asso qui ne vend rien, comment on peut trouver des subventions ? Génial. Alors, Alexis, cette question-là, elle fait appel, en fait, au modèle économique des associations et à comment, comment collecter des fonds et comment aller collecter suffisamment de fonds pour que l'association puisse tourner et être pérenne, surtout. Donc, déjà, une association qui ne vend rien. En fait, quand on veut vendre, la vente, ça fait partie des branches de la recherche de fonds. Moi, c'est ce que je dis, il faut qu'on fasse pousser votre arbre de la recherche de fonds. Et les branches de la recherche de fonds, il y en a plein. C'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités de trouver des sous. Je dois partir. Bon, alors, bye Céline et merci à vous. Salut Céline. Et donc, la vente, c'est une des branches. Mais attention, si vous êtes une association d'intérêt général, ou en tout cas que vous voulez respecter l'intérêt général, c'est votre conviction, vous avez envie de faire ça. C'est-à-dire que quand on respecte l'intérêt général, attention, il y a des droits et des devoirs. Ça veut dire que vous pouvez proposer de la défiscalisation. Donc, l'État, du coup, il dit attention, perte d'impôts, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Donc, faire très attention. Donc, si vous respectez bien les critères d'intérêt général, on ne peut faire qu'un petit peu de vente. C'est-à-dire que la vente, dans ce cas-là, doit rester accessoire. Et c'est peut-être pour ça que vous me demandez donc comment on peut faire pour trouver des sous. Eh bien, en fait, là, vous parlez des subventions. Eh bien, oui, on peut aller. La première chose à faire, c'est de demander des subventions à sa commune, puis d'aller voir la communauté de communes, ou en tout cas la métropole, puis la région, puis le ministère. Vous voyez, vous montez en fait, vous commencez de l'échelon hiérarchique français le plus petit, et vous augmentez d'un cran dans le développement économique local, jusqu'à aller au ministère et à l'Europe. Voilà, il faut toujours partir du très très local pour vous, et vous partez en entonnoir comme ça. Ça, c'est l'aspect collectivité territoriale. Après, vous parlez de l'État. Oui, donc l'État, vous allez voir au niveau des ministères, des appels à projets, ce qu'il propose. Par exemple, en ce moment, l'État est dans sa campagne de FDVA, le Fonds pour le développement de la vie associative, qui est une campagne annuelle. C'est en ce moment jusqu'à près mi-mars, mais attention, selon les régions, il y en a qui se terminent mi-février. Donc ça, c'est par exemple si en ce moment, il y a des fonds, il y a des appels à l'appel à subvention et maintenant. Donc l'État aussi, voilà, comme ça. Et ensuite, vous parlez de mécénat. Oui, le mécénat est une autre branche de la recherche de fonds. Alors, je ne vais pas vous embrouiller, mais en gros, dans le mécénat, il y a trois sous-branches dans la recherche de la... Attendez, je vais y arriver avec mes petits doigts là. Il y a trois sous-branches dans la recherche de fonds du mécénat. Il y a le mécénat financier, des sous, clouc, clouc. Il y a le mécénat en nature, on vous donne une chaise, on vous donne une table, on vous donne une maison. Et il y a le mécénat en temps. Je viens vous donner mes compétences, je viens donner du temps pour vous et je travaille pour vous. Je suis graphiste, je fais des graphies. Je suis avocat, je fais des conseils d'avocat gratuitement pendant mon temps de travail. Ça, c'est du mécénat de compétences. Tout ça donne accès à de la défiscalisation derrière, uniquement si vous êtes d'intérêt général, bien entendu. Et Christophe, c'est le 17 février en Auvergne-Rhône-Alpes, exactement. C'est pour ça que je disais, attention, c'est mi-février dans certaines régions, notamment celle-là, exactement. Parce que je suis moi aussi dans cette région. Et Claire, j'ai une petite question, mais parce que j'y connais rien, donc c'est peut-être très bête. Est-ce que les salaires des salariés en association sont plafonnés ? Enfin, comment ça se passe ? Il y a une grille type sur combien on peut gagner en asso ? Ah, c'est une vraie question, Émilie. C'est vraiment pas une bête question. C'est une question très importante et on me la pose très souvent, tu sais quoi ? Donc peut-être qu'un jour, il faudrait que je fasse une petite intervention là-dessus. Alors la réponse est non, il n'y a pas de plafond dans les salaires dans les associations. Quand vous recrutez, quand vous créez de l'emploi en association, au niveau de l'URSSAF et tout ça, vous êtes considéré comme une entreprise. Voilà, on ne fait pas de différence. C'est la même chose que si vous étiez une entreprise classique. Donc vous êtes dans le même cadre du contrat de travail, en fait. C'est le même droit que du travail. Alors, du coup, il y a Corentin qui demande dans quel cas faut-il que l'on demande à être d'intérêt général ? Ah oui, et puis c'est complété par la question de Laure après qui, je me permets de faire le lien, oui. Faut-il absolument envoyer un rescrit pour émettre des reçus fiscaux ? Alors, en fait, la réponse dans les deux cas, dans quel cas faut-il que l'on demande d'intérêt ? Alors, quand Corentin, vous parlez peut-être de la demande de rescrit fiscal, je ne sais pas si c'est ça que peut-être que vous vouliez dire, parce que en fait, la réponse pour moi, elle est non. Alors, je ne vais pas aller trop vite. Quand vous êtes d'intérêt général, vous souhaitez être d'intérêt général dans votre association. Donc, vous souhaitez respecter le cadre de l'intérêt général du point de vue des impôts. Il n'y a aucun jugement de valeur. Hein. On est d'accord que tout ce qu'on fait, pour nous toutes et tous, c'est d'intérêt général. Mais pour les impôts, il y a des codes à respecter. Donc, c'est vraiment uniquement là-dedans. Quand on respecte les codes de l'intérêt général pour les impôts, on a le droit d'émettre
des reçus fiscaux, c'est-à-dire qu'on a le droit de donner un avantage fiscal aux gens qui nous donnent des sous, ou du mécénat, ou du temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce qui fait que, en fait, parfois, les financeurs, que ce soit les fondations ou parfois certaines collectivités qui donnent des sous, ne savent pas trop comment ça marche et disent « je voudrais que vous me justifiez, que vous soyez d'intérêt général, il me faut un rescrit fiscal ». Le rescrit fiscal, c'est une possibilité qu'a créé l'État. Oui, tout à fait. Merci, Christophe, exactement. Ouais, c'est exactement ce que j'utilise moi aussi comme lien auprès des membres entrepreneurs. Donc, bravo. C'est parfait. On vous embauche pour le prochain atelier. Oui, carrément. C'est top. Donc, alors, ça, c'est, là, ce que vous a mis, Christophe, ce sont en fait les critères pour respecter l'intérêt général du point de vue des impôts. Moi, c'est exactement ce que j'ai mis sur le programme entrepreneur, c'est cette page-là et que j'ai détaillé, expliqué. Donc, allez-y, c'est top. Donc, ce que je disais, c'est que si vous respectez l'intérêt général et que vos financeurs vous disent « je veux un rescrit fiscal », moi, je vous déconseille de le faire. Après, si le financeur, il ne veut rien savoir, allez-y, parce que si jamais il vous dit qu'il peut vous donner 50 000, bon, il faut y aller. Mais attention, le rescrit fiscal, c'est en fait pas du tout obligatoire. Les financeurs ne le savent pas. Au revoir, Claire-Marine, merci beaucoup. Les financeurs ne le savent pas, et donc on fait beaucoup de plaidoyer là-dessus, et on veut, il va falloir qu'on accompagne et qu'on fasse de la pédagogie avec les financeurs pour qu'ils arrêtent de vous l'imposer, parce que c'est une catastrophe. En fait, le rescrit fiscal, c'est l'État qui a dit, vous, association, si vous avez un doute sur votre caractère d'intérêt général, venez demander le rescrit, on vous dira si oui ou non, vous respectez l'intérêt général. Mais ce n'est pas du tout, vous, association qui êtes d'intérêt général, vous êtes obligé de demander le rescrit. Pas du tout, c'est l'inverse. Donc, il ne faut surtout pas demander le rescrit de façon automatique. Si jamais vous avez un financeur et que vous voyez que ça vaut le coup, dans ce cas-là, ok, faites une démarche de demande de rescrit fiscal. Mais attention, il va falloir bien travailler votre CERFA parce que votre dossier, en général, va être jugé uniquement sur ce CERFA. Ils ne vont pas avoir le temps d'aller regarder ailleurs ce que vous faites. Et la façon dont vous allez expliquer votre intérêt général va déterminer si l'agent fiscal va vous dire oui ou non. Et souvent, ce que je vois quand j'accompagne les membres, c'est que vous n'avez pas toujours les bons réflexes pour expliquer votre intérêt général parce qu'il faut savoir comment ça marche. C'est-à-dire, alors, il y a ce qu'a mis Christophe sur cette page, mais il y a aussi la façon dont ils vont interpréter. C'est-à-dire, c'est que au regard des 4 P, il faut que vous soyez bien dans l'intérêt général. Donc, il y a des petites techniques de rédaction et tout ça. Donc, non, je vous conseille de ne pas le faire obligatoirement. Et non, ça n'est pas obligatoire. Mais si un financeur vous le demande, dans ce cas, que vous voulez, faites-le. Mais attention quand vous le faites. Parce que l'appel ne permet pas d'envoyer de nouveaux éléments. C'est une galère, franchement. Une autre question du coup de Laure qui dit en fait le rescrit, c'est en cas de doute. Voilà, exactement. Et c'est ce qui... Il y a une méconnaissance sur cette histoire de rescrit parce que les financeurs le demandent tous, hein, par méconnaissance aussi. Le rescrit, c'est exactement ça. C'est uniquement en cas de doute. Et au revoir, Daisy. Merci. Merci pour votre participation. Voilà, c'est uniquement en cas de doute. Donc, si personne ne vous le demande, vous ne le demandez pas. Parce qu'en fait, l'État vous donne la possibilité de vous auto-évaluer. En respectant bien tous les critères, attention. Hein. Voilà. Alors, je me permets juste de vous préciser que la loi ayant changé, aujourd'hui, l'amende pour avoir émis des reçus fiscaux sans en avoir le droit, l'amende, c'est que, en fait, vous allez devoir rembourser tous les avantages fiscaux octroyés. Donc, ce n'est pas votre mécène qui prend des risques, ce n'est pas la boîte qui vous a donné 10 000 et qui a enlevé des sous de ses impôts, ce n'est pas votre grand-père ou grand-mère qui vous a fait une belle donation qui va avoir des problèmes. C'est l'association qui va devoir rembourser tous ses avantages fiscaux. Voilà. Donc ça, c'est attention parce que la loi a changé. Avant, ce n'était pas grand-chose la peine, mais aujourd'hui, maintenant, c'est hyper important. Donc, rééquilibrez bien votre intérêt général. Et Laure nous dit merci beaucoup pour cette... Ah, ok, merci beaucoup pour cette réponse. Merci. Il y a Corentin, du coup, je ne connaissais pas Assopreneur et je voudrais savoir rapidement comment ça marche et comment faire accompagner. Ah, Corentin, on te donnera les coordonnées de Claire. Je vous ferai un petit mail récap à tous ceux qui étaient présents avec les éléments dont on a parlé et nos coordonnées. Comme ça, vous pourrez rentrer en contact. Voilà. Super. Peut-être juste un mot, Émilie et Elsa, merci beaucoup. Au revoir aussi. Juste un mot pour répondre à Corentin, c'est que Assopreneur, en fait, notre association, on a mis en place un programme d'accompagnement qui s'appelle Inspiration et Entraide. Il est accessible gratuitement, n'importe quand, tout le temps. Il est entrée et sortie libre. Donc, contrairement à d'autres incubateurs, il n'y a pas de critères pour rentrer, pas de comité de sélection, pas de dossier à remplir. Donc, c'est accessible immédiatement pour tout le monde, surtout si vous n'êtes pas rentré dans les cases ailleurs. Donc, voilà. Et ça marche tout de suite. Mais c'est quoi? C'est un incubateur qui est localisé quelque part ou On est un incubateur et accélérateur hors ligne.
En fait, j'ai pas les autres, en fait. Ça veut dire que nous, notre programme, il est tout en ligne parce que les membres sont partout en France et dans le monde. C'est simplement qu'on est en francophonie. Notre plateforme, elle est en français seulement. D'accord. Voilà. Donc, c'est la plateforme en ligne. Ouais. C'est quoi le site web? C'est assopreneur.org. D'accord. Oui, il faut s'inscrire à un rendez-vous découverte avec moi pour pouvoir accéder à l'inscription derrière. Parce que je veux quand même vous rencontrer avant de, pour être sûr que vous serez bien dans ce programme et que c'est bien, voilà, c'est pas, vous êtes, enfin, qu'on ne se soit pas trompé, vous et moi. Voilà. Ça marche, ok, merci. Et on accompagne des créations d'assos à l'étranger. Oui, on a des personnes au Laos, on a des personnes en Espagne, à Madagascar, et j'espère après bien plus partout dans le monde. Parce qu'en fait, plus on partage loin dans le monde et dans des segments associatifs différents, plus c'est intéressant pour l'aspiration et l'entraide. C'est énorme le partage. Ah bah génial, merci Christophe. Non mais c'est bon Christophe, je vous embauche. Enfin, je vous embauche en bénévolat, bien sûr. Merci beaucoup. Bon alors, Émilie, il est 18h30 et merci à vous parce que vous êtes encore là. Moi, j'ai encore 5-10 minutes. Je vais rester là si Émilie, tu veux bien laisser la réunion pour au cas où il y avait des dernières questions. Mais du coup, on a répondu aux questions. J'espère qu'on a fait toutes les questions du début. Je voulais juste vérifier ça avec toi, Émilie. Normalement, oui, je crois. C'est comme il y aura le replay pour les personnes, même si jamais les personnes ont dû partir, il y aurait quand même les réponses. Je suis en train de remonter dans le chat, mais c'est chouette, on a eu plein d'échanges. Comment on vit d'une asso, les spécificités d'une asso, tout ça, c'est bon. Oui. Tu vois quelque chose qu'on n'aurait pas vu? Non, je crois que... Je suis toujours pas arrivée en haut. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Après, il faudra sûrement pousser un peu plus en profondeur. Est-ce que, pour ceux qui sont encore là, vous avez des questions ou des axes que vous souhaiteriez creuser pour éventuellement un prochain échange qu'on pourrait mettre en place avec Claire? Ah, des pistes pour un business plan. Ah oui, ok. Bah, ça, c'est la méthode des quatre piliers. J'ai pas eu le temps d'en parler. Bon. Je crois qu'Émilie, il faudrait qu'on refasse une intervention spécialement sur la méthode des quatre piliers, parce que ça donnera le plan du business plan, en fait. Oui, c'est vraiment ça. On n'a pas le temps d'en parler. Gagner les appels à projets aussi, c'est une façon de rédiger. C'est la façon dont vous allez rédiger au regard des quatre piliers, justement, et au regard de l'impact. Miser à fond sur les chiffres clés et votre mesure d'impact, donc vos indicateurs de mesure d'impact. Et miser à fond sur expliquer votre cause. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le cercle d'or, la méthode de Simon Sinek. Je fais juste une seconde là-dessus. Dans le lien... Non, je ne l'ai pas mis dans ce chat. En gros, bon, Simon Sinek, c'est un économiste orateur américain, je crois. En tout cas, il a 44 millions de vues sur YouTube, donc ce n'est pas moi qui le dis, mais je trouve que sa méthode du cercle d'or, vous tapez Golden Circle sur TEDx, vous le trouverez. Sa méthode du Golden Circle, c'est pour moi le meilleur outil de pitch pour une association. Parce qu'il met en avant le why, donc la cause, le pourquoi. C'est ce qui est primordial en asso. Donc, si vous voulez, en fait, comment capter la personne et même la personne qui va lire votre dossier, c'est d'être synthétique, de miser sur la cause pour toucher la personne au trip et l'emmener avec vous dans votre cause. Voilà. Je rebondis là-dessus, justement, sur WeDo. Donc, on accompagne, nous, tout type de projet. Ça peut être asso ou pas forcément des assos, d'ailleurs. On utilise, justement, la méthodologie, nous, du QQO-QCP. Donc, quoi, où, quand, comment, pourquoi? Parce qu'on a des jeunes de 13 ans déjà et jusqu'à 30 ans. Donc déjà, c'est un premier exercice pour bien mettre à plat votre projet et savoir le pitcher clairement. Donc, n'hésitez pas à tester. Et puis, pour le sujet des appels à projets, on en a également plusieurs sur la plateforme. Donc, si jamais vous avez des projets qui sont en ligne chez nous, on vous met en lien avec les dispositifs de nos partenaires pour que vous en ayez connaissance. Je prends un exemple, et moi que j'ai découvert chez WeDo, et j'aurais bien aimé savoir ça plus jeune. Par exemple, les CAF, les caisses d'allocation familiale, on pense aux allocs. Et bien en fait, il n'y a pas que ça. Elles ont un budget pour les projets de jeunes jusqu'à 25 ans, soit en junior asso, pas forcément en asso d'ailleurs. Et ça peut être des projets culturels pour aller découvrir un pays, ça peut être sur un territoire, enfin voilà, il y a plein de choses et du coup moi je pourrais vous aider à voir ce qu'il est possible de faire sur votre territoire, mais voilà, c'est ce type d'acteur, on ne pense pas forcément que les CAF ont des dispositifs et des appels à projets, donc on vous mettra en lien s'ils sont en ce moment en ligne sur la plateforme. J'ai regardé la liste des questions et je pense qu'on a répondu à peu près à tout.
Merci beaucoup. Je ne sais jamais si c'est OK pour toi, Émilie, pour qu'on clôture notre échange. Je voulais peut-être vous proposer de me dire, si vous avez une dernière question, n'hésitez surtout pas dans le chat, et nous dire peut-être ce que vous retenez de cet échange. Et s'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, ou est-ce si jamais, voilà, avec quoi vous repartez, voilà, si vous avez un message pour Émilie et moi, voilà. Laure dit un grand merci et quelques questions en plus. Oui, contactez-moi avec plaisir. Prenez un rendez-vous découverte, par exemple, ou contactez-moi par mail. Avec grand plaisir. Je vais vous renvoyer un mail, je pense, demain matin à tous ceux qui étaient inscrits pour que vous puissiez avoir nos coordonnées. Et je vous remettrai la presse. Claire, du coup, on ne l'a pas trop regardée au final. Moi, je la mettrai quand même. Voilà vous aurez un support écrit aussi. Voilà, vous aurez des éléments. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et puis, on verra pour organiser un nouvel atelier parce que ça a l'air de plaire, donc c'est chouette. Je ris parce que dans le chat, il y a quelqu'un qui disait vos coordonnées pour poser des autres questions. J'ai bien le replay. Ouais, super, j'ai regardé vos... Merci pour tout ce que vous mettez dans le chat, génial. Merci pour tous vos messages. Et carrément, avec plaisir, Émilie, si on se refait un échange comme ça, avec grand, grand plaisir. Et foncez chez WeDo. Si vous êtes dans l'âge requis, foncez chez WeDo. Nous, on oriente toutes les personnes qui viennent dans Entrepreneur maintenant, qui ont moins de 30 ans, paf, direct. C'est en complémentarité, ça va très bien. Merci pour tous vos échanges. Vous avez été super réactifs et réactives. Sincèrement, c'était un bonheur. Ouais, c'est super agréable pour nous hein, quand il n'y a pas des muets en face et que tout le monde parle, c'est trop bien. C'était chouette, vraiment. Et même comme Aurélie qui ne pouvait pas parler parce qu'il y avait les enfants derrière, mais merci beaucoup. Bon, et ben, merci. Du coup, on reste en contact. Ah, on a oublié la photo de groupe. Catastrophe. Il faut qu'on la fasse maintenant, si c'est OK. J'ai oublié la photo de groupe. Oh là là, ça m'arrive pas d'habitude, ça. Alors, est-ce que pour les personnes qui sont OK, et merci d'être resté, 18h40, c'est trop gentil. Si vous voulez bien mettre votre caméra juste pour la photo de groupe, et si vous voulez bien faire un signe qui prouve que je ne vous ai pas prise en traître, en fait. Je vais faire un petit coucou comme ça. Je laisse le temps, s'il y a, voilà, super. S'il y a des personnes qui mettent leur caméra, j'attends juste que tout le monde les mise. Ah, génial, merci beaucoup de remettre la caméra, c'est très gentil. Je sais que ce n'est pas simple de partager. Allez, 1, 2, 3, cheese! Super, merci beaucoup. Comme ça, Émilie pourra vous l'envoyer aussi. Ouais. C'est bon, je l'ai. Merci beaucoup. Ça t'a failli être la catastrophe. Bon, et merci à tous. Et puis, on vous dit à bientôt et on vous souhaite une très bonne soirée. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir.